Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un jeu rock'n'roll. Un jeu ayant une bande son mirifique, incroyable. Une bande son faite par Crash 40. Je vais bien sûr parler de Sonic Adventure DX. Bon voilà, après avoir galéré à droite à gauche pour essayer de faire le live, qui finalement est annulé, on change pas une équipe qui gagne, hein, on se remet à faire les bonnes vieilles. À enregistrer localement comme à la bonne vieille époque. Voilà, donc le jeu est en anglais, donc je sais pas si on va pouvoir le mettre en français. Après c'est pas dramatique parce que bon, moi je connais assez bien le jeu, donc puis je suis bilingue évidemment. On l'a bien vu en live pendant que ça a foiré. Ah par contre, très mauvais skill pendant le live. Oh là là là, oh là, tout était, rien n'est passé. La connexion, la skill, rien n'est passé. Ah, je me concentrais trop sur ma connexion là, c'était trop compliqué. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas Sonic Adventure DX, du coup on a le choix entre 6 personnages. Donc Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Big the Cat, personnage très charismatique évidemment, et E-102, qui va se transformer en Gamma dans les prochains Sonic. Omega je crois. Omega, Gamma, je sais plus comment il s'appelle. Et bref, pour l'instant on peut sélectionner que Sonic, donc let's go. Donc évidemment nous sommes sur la version émulée, hein, nous sommes sur la version GameCube mais émulée sur PC, donc Dolphin. Donc on a le droit à une magnifique qualité HD. J'avoue que j'ai appuyé un peu trop vite, j'aurais dû regarder si on pouvait mettre en français. Bon après, on peut passer. On peut regarder, vite fait. Attends, je vais passer juste ce passage-là. Hop. Quitter. De toute façon, ça se fait très rapidement. La GameCube avait très peu de temps de chargement. Et ça, c'est bien. Ah, si on se plante sur PS4 dans les options, on est un peu dans la merde. Après, sur PS4, purée, les temps de chargement. Du coup, mon langage. Ah mince, je suis allé trop vite. On peut mettre français, voilà, c'est très bien. Il y a French. C'est bien une version. J'ai même pas fait gaffe. Normalement, c'est la version PAL que j'ai. Bon, après, ça ne change pas grand chose entre PAL et NTSC sur GameCube. Bon, généralement, c'est quand même 20% plus rapide NTSC, mais. Bon. Bon évidemment, ça vieillit hein, quand on voit les différents PNJ. Ils sont faits avec assez peu de polygones, les animations, c'est compliqué. Ils ont un peu un balai dans le cul, mais rappelons que ce jeu est sorti à la base en 1998 sur Dreamcast, la dernière console de Sega. Voilà, je fais un peu d'histoire vidéoludique. Voilà, nickel, ça on va lancer en français. Il y avait quand même de la mise en scène, et pour 98 c'était assez impressionnant. Évidemment, la version DX est sortie sur GameCube en 2003. Donc là, évidemment, pour 2003, c'était pas fou. Mais c'est quand même un jeu qui a très bien vieilli, malgré tout. Et on va le voir tout de suite, dans son gameplay, il a très bien vieilli. Je trouve même qu'il a mieux vieilli que Super Mario 64. Même si pourtant, 64, je l'adore, mais... Ah. J'ai toujours été plus Sonic que Mario. Que ce soit pour les musiques, les niveaux, ils sont plus fun, je trouve, généralement. C'est vrai qu'après, on a eu des Sonic moins bons que les Mario. Mais même, je ne sais pas pourquoi, je préfère me faire un Sonic Generation qu'un Mario Galaxy, alors que je sais objectivement que Mario Galaxy est meilleur. Parce qu'il y a plus de maîtrise au niveau du level design, etc. Mais moi, je préfère le gameplay de Sonic. Et vu que Generation est quand même très réussi.
Après, voilà, le meilleur Sonic, c'est celui-là. C'est Adventure DX. Avec les cutscenes qui ont un peu vieilli, je l'avoue. Donc voilà, si vous suivez un minimum ma chaîne, pour les tout premiers abonnés de la chaîne, ils ont peut-être vu à l'époque que j'avais fait déjà un let's play sur Sonic Adventure DX. Mais sauf que c'était voilà, en 2013, avec la caméra de la 3DS, c'était un peu compliqué. Je filmais avec la caméra de la 3DS quand même, j'avais pas de boîtier d'acquisition à l'époque. C'était un peu compliqué. Voilà, je vous laisse les cinématiques. Hein. C'est bon, moi je connais assez bien. En tout cas, je compte faire... Your big trip. En tout cas, moi je compte plus faire... je compte faire vraiment tout le jeu avec vous cette fois-ci. Parce que c'est vrai que quand j'avais fait mon let's play là, sur Adventure DX à l'époque, en 2013, c'était... J'avais fait que Sonic. Voilà, que le mode aventure le plus intéressant, finalement. You know nothing, fool. It's chaos, the god of destruction. Le dieu de la destruction. Ah, je suis vraiment déçu que la connexion ne soit pas passée, mais bon, maintenant, hein, voilà, j'ai appris que, voilà, plus jamais je fais de live ici. Voilà, c'est mort. Hein, avant, je sais pas pourquoi ça passait avec la 4G. Et là, c'est peut-être parce qu'on est en temps de confinement, Covid-19, machin chouette. Et du coup, ils sont en train de brider à fond la 4G. Et moi, à chaque fois, je passais par la 4G. Donc la DSL, certes, la DSL, on est à peu près comme avant. Une connexion aussi pourrie, hein, c'est pas pire qu'avant. Mais la DSL ne passe pas, normalement, en live. Bon, je l'ai essayé et voilà, on l'a bien vu que ça passait pas. Pendant 30 minutes, ça passe et hop, ça plante après. Il y a encore 30 minutes, mais de pixels. Donc, voilà. Ah, désolé, Yuyu, hein, de t'avoir donné de faux espoirs. Hein. Je te le dis directement. Voilà, donc là, on commence le premier stage, Emerald Coast. Hop. Voilà, on fait le petit looping. Voilà, petit raccourci, hein. Bon, je connais un minimum le jeu. Je dis ça et je me suis viandé plein de fois en live. C'était assez incroyable. Là, je me suis viandé au moins 3 fois. 4 fois peut-être. Est-ce qu'on va réussir? Ah bah du premier coup, mais voilà. Mais je sais pas. Pourtant, quand je suis en live, le jeu, il ne rame pas. C'est pareil. Ah et d'accord. Par contre, il n'y avait pas ça en live. Bon, là, c'est la toute première fois que je teste... en enregistrant directement tout par action, donc c'est-à-dire que ce soit la vidéo et l'audio, parce qu'avant l'audio je faisais passer par Audacity, mais j'ai l'impression que c'est quand même mieux de passer par action finalement. On verra s'il y a un décalage à la fin. Normalement il ne doit pas y en avoir, mais avec Fraps je me souviens qu'il y avait un décalage. Bon, c'était pas énorme, hein, mais il y avait quand même 3 secondes de décalage. Donc pour certaines phases, par exemple si je dis par exemple oh, j'ai réussi 3 secondes avant avoir vaincu le boss. Voilà. Le spoil. Et ça peut être aussi... le décalage peut être aussi dans l'autre sens. Bon, là, je pense que... Bon. Quand même. Action. Logiciel payant. Il devrait marcher. Hein. Un Fraps aussi est payant. Mais Fraps, de toute façon, il est mort maintenant. Il n'existe plus, je crois. C'est un vieux truc. C'est un vieux bousin. Ah, magnifique aussi là quand on voit les dauphins. C'est ça que ça je. J'en avais pas parlé en live, mais les petites animations comme ça, ou aussi quand on se fait poursuivre par l'orque, les mises en scène, franchement c'était du jamais vu. Enfin, c'était un peu comme Half-Life 1, qui était sorti en 1999, il me semble, donc après Sonic Adventure DX. Ce qui était fou dans Sonic Adventure DX, voilà, c'était le premier jeu d'aventure qui se passait entièrement en 3D avec autant de mise en scène, d'histoire, de doublage.
et dans des décors vraiment mais somptueux, hein. Enfin là, même encore aujourd'hui, le jeu a bien vieilli. Bon, des fois ils font des têtes bizarres. Ah, par contre, si je ne passe pas les cinématiques, voilà, là, vous comprenez, il a construit son X-Tornado à partir de la puissance des Chaos Emeralds et tout. Bon. J'englobe vraiment le truc, hein. J'avoue, j'ai pas trop lu, là. J'avoue, c'est dans mes souvenirs. Tac, là, faut le rejoindre à Mystic Ruin. Alors, Mystic Ruin, où c'est ? La première fois, on est un peu paumé, parce que bon, on est quand même dans un open world, hein. Enfin, un semi-open world, parce qu'après, c'est pas si immense que ça. Généralement, vous voyez, il y a ces petites fées, hop, qui nous permet de dire où aller. Vous prenez le train au Mystic Ruin. Donc, normalement, on a une map que j'utilise jamais, d'ailleurs. Et c'est là qu'on peut voir les noms. Donc, dans la station, on voit qu'il y a un train qu'on peut prendre, hop. Ça, c'était vachement bien fait aussi. Mystic Ruins avec la petite musique. Et toutes les musiques sont vraiment bonnes, hein, même la musique de d'avant, juste avant, de Station Square. Et ça fait très très funk, hard rock. Ou un peu de disco avec le thème de Hey Heroes, qui est vraiment très bon. Alors franchement, l'OST, il n'y a rien à dire. Il est culte. C'est un big loser. Ah, ça c'était moi en live. Ah, Sonic vient de m'insulter là. Oh, en plein cœur. Petit saxophone, yeah. Santé. Ah, j'adore cette OST. Ah, ça commence. Surtout que, voilà, pour la petite anecdote, j'ai refait le mode histoire de Sonic. Alors attention, j'ai fait que le mode histoire de Sonic et un stage avec Tails. Dans mon coin, il n'y a vraiment pas longtemps, là, pendant le confinement. Quand j'ai ressorti la bonne vieille GameCube, et que j'ai retrouvé des enceintes Big Ben exprès pour la GameCube, assorties à la GameCube. Et donc voilà, bah, je le fais avec... avec un superbe son, ça rend même mieux qu'avec le casque actuellement, je trouve. Ah, le son des enceintes sont vraiment... En plus, ça coûtait que 30 euros, ça, à l'époque. 30-40 euros. Franchement, c'est pas cher. Et puis en plus, enceinte interchangeable, hein, si on n'est pas satisfait du son. Et juste au tout début, on a un petit problème, voilà, au niveau du... De la basse, enfin, la machine Big Ben qui gère tout ce qui est basse. Et au tout début, il peut y avoir des petits problèmes, peut-être parce qu'il y a un peu de poussière, je sais pas. Ouais, au tout début, il faut que le truc se fasse, parce qu'au début, on a un bruit un peu sourd. Mais une fois que c'est lancé, là, au bout de 2 minutes à peu près, à chaque fois, au bout de 2 minutes, quand on l'allume, bah après, on a un son incroyable. Mais sinon, au début, on peut couper les basses, et du coup, avoir que les enceintes. Si au début, le bruit des basses est un peu gênant. Quand ils ne se sont pas faits, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, je sais pas dû à quoi c'est ça. Bon après, ça dure qu'au tout début, hein. Ah, il a chopé. Ah, Chaos. Son animal de compagnie. Et oui, et va avaler l'émeraude du chaos pour devenir plus fort. Il va fusionner avec, entre guillemets. Ah, je chante un peu pour savoir si je suis décalé ou pas.
au niveau de l'audio. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai... Peut-être qu'à l'avenir, ouais, je ferai que avec Action comme ça. Ça permettrait de pas passer par Sony Vegas Pro pour tout monter. Ça peut être pas mal. C'est bon, ouais. À la base, c'est pas un let's play, hein. Sonic Adventure DX. À la base, ça aurait dû être un live. J'ai un peu la flemme de faire tout un montage pour une intro. Bon, tant pis, ça va passer en let's play, hein. Parce que ma connexion ne veut vraiment pas en ce moment. Attends, ouais. Les gens sont trop sur leur téléphone. Plus de 4G. Ah là là. Et du coup, obligé de passer par la DSL et ça passe pas. Mais bon, j'ai un peu... Bah du coup, je vais un peu meubler, hein. Je vais un peu raconter ma life. Vite fait. Non, c'est juste pour dire, pour le futur de la chaîne, que oui, il y aura pas mal de live. Normalement, j'aurai une bonne petite connexion. Dans quelques temps. Ça ne sera pas la fibre, mais je serai quasiment en VDSL. Bon, ADSL au début. Donc bon, ça sera du 480p, hein. Ou 720 peut-être au mieux. Mais au moins, le live coupera pas. Et ça sera moins pixel land. Ça sera du 480p propre. Donc voilà, de toute façon, moi, à l'avenir, je ferai que des lives. Hein. Les lives remplaceront complètement les let's play. Et oui, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Donc là, la musique est aussi très très bonne. Dommage qu'on ne l'entende pas assez longtemps. Parce que j'avoue que je vais un peu vite. Et que le niveau est pas très long. La première partie de ce niveau est assez court. Et je sais plus si je l'ai dit, parce que du coup, là, je relance le jeu. Après le live. Mais en tout cas, je crois que je l'ai dit que dans le live, ça. Mais oui, dans presque chaque stage, ouais, dans chaque stage, il y a à chaque fois au moins deux thèmes différents. Parce qu'il y a plusieurs phases dans les stages. Ça, c'était aussi un retour de force quand même à l'époque. C'était assez impressionnant d'avoir autant de musique, autant de variété. Hop, là, je tourne la caméra. Et ça passe pas. Alors la caméra, elle a fait n'importe quoi. J'aurais dû me mettre en free caméra. C'est aussi une technique. Voilà, ça va. Elle passe. C'est juste que je suis allé trop loin et du coup, la caméra, elle comprenait rien. Faut sauter plus tôt. Ah, on va tester le cut, là. J'espère que ça va passer. Et si ça passe du premier coup... Ben, je vous jure que ce n'est pas un montage, parce que j'ai vraiment pas le temps. de tout monter. Ah, et pourquoi il veut pas, là? Affiche. Voilà, c'est passé. Donc normalement faut pas jouer comme ça, évidemment. Là j'ai sauté, j'ai appuyé sur le bouton droit au bon moment pour pouvoir faire un grand saut sur le bumper. Alors, attention, là faut sauter ici. Et là normalement c'est par là. Hop. Et voilà, du premier coup, purée. Comme par hasard, mais purée. Purée. Ah, Fish Trolland. Ah, Mystic Range. Le retour. Hop. Du coup, là, faut aller au casino. Ah, moi, je vais très vite. Hein. Faut pas traîner, c'est Sonic. Il traîne pas, Sonic. Ah, d'accord. Il tombe un petit peu, porte. Hop. Speedrun, évidemment. On est déjà à 22 minutes quasiment. Ah là là, ça passe vite. Hop, du coup là, il faut aller dans les égouts. Ah bah, je l'ai fait juste avant, hein. Là je connais par cœur.
Il n'y a pas de souci. Hein. À la base, on tourne pas mal en rond hein, dans le jeu. Bon, je vais passer parce qu'en fait, ils vont nous expliquer que c'est le light dash. Et le light dash permet de, comme vous pouvez le voir, attention, hop, de choper les anneaux alignés comme ça. Et du coup, de prendre le chemin des anneaux. Voilà. En gros. On est aimanté par les anneaux. Je sais pas trop, j'explique pas très bien. Hop, 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 tu vois un hérisson qui court comme ça, sur la route. Du coup, la faux, allez. Hop, ici. J'avoue que ça va très vite. Le problème, c'est que après, là, il me reste plus beaucoup de temps. Pour tourner la vidéo. Ah bah regarde, le confinement c'est compliqué. Le Crystal Ring. Donc le Crystal Ring qui permet de tout simplement... Enfin c'est tout simplement un upgrade. Voilà, c'est-à-dire que... Hop, il se recharge beaucoup plus vite. Le Light Dash. Bon c'est pas ici qu'il faut aller. Le casino c'est de l'autre côté. C'est peut-être par là. Ouais c'est là. Ah, parce que ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut voir un petit peu... Bon, c'est un JPEG, hein. Il y a à chaque fois un petit temps de chargement. Là, par exemple, je vais ici, là, c'est un JPEG, normalement. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, à l'époque, en même temps, on était quand même sur Dreamcast et GameCube. On n'avait pas assez de mémoire pour faire un open world aussi immense. Surtout dans un jeu comme Sonic, où il faut aller très vite. Le scrolling doit suivre, etc. Le jeu doit rester fluide, etc. Donc voilà. Donc là, on se retrouve dans le casino. Ne vous inquiétez pas, je vais pas perdre tout mon argent. Dans la vraie vie, j'ai perdu 30 euros au casino. Bon, ça va. Ah, moi, dès que je perds, c'est bon, après j'arrête. Enfin, si mon argent est en jeu... Ah, purée. Plantage. Du coup là c'est assez spécial parce que là vous devez pas trop comprendre pourquoi on fait du flipper si vous ne connaissez pas ce jeu. Mais du coup pour les plus jeunes qui me regardent, c'est tout simplement on doit avoir le plus d'anneaux possible et du coup bah, on doit choper tous les bonus à droite à gauche, faire du flipper, faire des petits jeux de casino, quoi, en gros. Petits jeux d'argent. Bon, sauf qu'évidemment, dans Sonic, on gagne de l'argent, et puis c'est tout. Ah. Voilà, j'ai réussi à faire un petit truc. Ça, ça permet... Je crois que ça donne un bonus, après. Alors, on a des cartes. Alors, je sais plus à quoi ça sert, les cartes, par contre. Hein. Il y a tout un fonctionnement, là-dedans. Bon, normalement, il faut avoir à peu près 600 anneaux, il me semble. Pour pouvoir finir le niveau. Parce que voilà, pour finir le niveau, il faut avoir un nombre... Ah bah, j'ai réussi un truc. Il faut avoir un nombre spécifique d'anneaux. Oh, et je gère, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça me dit rien, là, ça. Pourtant, j'avoue que je fais pas grand-chose. En fait, faut pas trop trembler, parce qu'on peut trembler avec le stick, le flipper. Comme dans la vraie vie, finalement, quand on s'énerve dessus. Et ça permet évidemment de bouger un petit peu la boule, donc Sonic. Mais je trouve que c'est une bonne idée, ça, le fait de faire un petit jeu de flipper comme ça. Alors ça existait déjà, oh, je me suis planté, ça existait déjà à l'époque sur Mega Drive. Qu'est-ce que ça fait déjà ça? Parce que là, on est dans le monde de Knight. Knight, évidemment, c'est grosse référence à la Saturne. Bon, elle est assez mal modélisée, par contre. Ils ont pas fait des efforts de fou pour cet endroit-là, niveau modélisation et texture. On sent que c'est juste pour un petit niveau. Hein. Un petit passage où on n'est pas obligé de passer, en plus. Dans lequel on n'est pas obligé de passer. Bah, nickel, j'ai gagné pas mal d'anneaux. Faut essayer de viser les trucs violets, là, en haut à gauche.
si j'y arrive. Ah, j'ai réussi à faire une paire. Ah voilà. Parce que ça, quand on arrivait, quand on arrive à choper les 3 violets, il me semble qu'on gagne 30 anneaux d'un coup. Ah bon, on va voir ça. Ah non, peut-être 20 anneaux. J'ai pas trop fait gaffe. 131, là, on est pas mal. Bon, ça peut être un peu pénible pour vous, là. C'est peut-être un petit peu long. Après, ne vous inquiétez pas. C'est le seul niveau, comme ça, dans le jeu. Bon, le problème, c'est qu'on va après faire le mode histoire avec Big The Cat. Oh là 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 là. C'est compliqué. 172 anneaux, c'est pas mal. Oh, et j'ai réussi à revenir ici. Ouais, et puis ce qui est pas mal ici, c'est qu'on ne perd pas de vie, en fait, quand on tombe. Hein. Vous l'avez bien vu. On passe à côté de Knight et voilà. Ah, et là, j'ai réussi à faire un truc. Mais c'est incroyable, j'ai rien vu de tout ça, moi, quand j'ai joué dans mon coin. Et ça se passe hyper bien, là, le let's play, là. Le live, c'était une catastrophe, mais le let's play... Dieu a eu pitié de moi. Le dieu du jeu vidéo. Ou peur. Ouais, j'arrête. Affiche. Ah, j'ai deux paires là, c'est pas mal. Ah non, une paire. Ah, on peut remplir des trucs. Ah, j'ai rempli une sphère, je sais pas comment. Je sais pas trop comment ça marche là. Par contre, il me reste 0 balles, donc... Bon, je pense que ça va sentir le fail. Bon, à la limite, vaut mieux fail en fait, parce qu'après, on a un niveau quand on perd. Ah bah voilà. Ah maintenant on n'a pas de niveau. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas de niveau? Ah mais il faut faire en fait l'autre. Faut pas faire Knight. Faut faire l'autre. Voilà celui-là. Et là normalement on a un niveau après. Quand on perd dans celui-là. 200 anneaux. Celui-là c'est plus un flipper traditionnel. Vous voyez au milieu, au centre, il faut... Faut faire une rangée, soit une rangée de Sonic, de Tails, de Knuckles, il me semble qu'il y a aussi, d'Amy, mais surtout pas d'Eggman, évidemment. Parce que je crois qu'on perd des anneaux si on prend Eggman. Ah. Et j'avoue que 219 anneaux, si je perds tout, ça va peut-être pas trop le faire. Hop, limite, je crois que vaut mieux perdre, là, en fait. Parce que là je m'acharne, mais... Ouais, il se passe pas grand chose là. Bon allez, je vais faire exprès de fail là, parce que je pense que bon... On est quasiment à l'objectif, hein, on va essayer de choper le plus d'anneaux possible dans le niveau. Hop. Ah bah non, on tombe pas. Mais comment ça se fait ça? Attendez, bah du coup je vais direct faire le truc. Je sais plus pourquoi on tombe pas. Là, évidemment, on n'a pas assez d'anneaux. Hop. Faut revenir derrière. Ah, purée. La caméra. Ah, Sonic peut prendre sa douche aussi, hein, pour le fun. En plus, il y a un effet. Quand il prend sa douche, il va y avoir un effet de reflet. Il me semble. Il va briller. Ouais, c'est un peu plus... Okay. Du coup, on va revenir, hop. Au niveau, derrière, au niveau des égouts. Ça doit pas être loin. Ah non, on peut pas tomber. C'est bizarre, ça. Bon, ah, évidemment, je vais devoir faire un montage parce qu'il y a eu du passage. Je vais devoir faire une petite coupure.
Mais du coup... Hop. On va devoir refaire ces niveaux-là. Par contre, c'est bizarre. Comment c'est qu'on tombe pas sur le niveau... Attends, si je tombe plusieurs fois... Normalement, on doit tomber sur le niveau... avec Sonic. C'est quand même bizarre, ça. Ça, je me souviens pas que... Moi, je me souvenais que... Qu'au flipper, si on perdait, la première fois, on tombe dans les égouts. Pourquoi ça l'a pas fait, là? Ah bah voilà! S'il vous plaît! Les égouts! Voilà. Là, avec toujours un thème vachement sympa. Et ça, ça va nous permettre aussi de gagner pas mal d'anneaux. Hop. Hop. Ah merde. Ça passe. Ouais, là on fait vraiment le plein d'anneaux d'un coup. Et ça c'est pas mal. Faire gaffe évidemment à ceci. Parce qu'on se fait toucher une fois, c'est mort. Hop, petit coup du light dash. Nickel. Le mode d'invincibilité. D'ailleurs, c'est très rare qu'on soit invincible dans le jeu. Ça va peut-être être la seule fois dans le mode d'aventure de Sonic. Du coup... On va aller... Ici, et peut-être, je dis bien peut-être, parce que je crois que c'est... On doit être à 500, quasiment. En tout. Je sais pas si c'est assez. Ah, peut-être. Peut-être que c'est assez. Ah, c'est assez, nickel. Ah, parce que sinon, il peut y avoir un mur invisible, même si visuellement, on peut voir qu'on peut y aller. Et ben, il peut y avoir un mur invisible, et là, on est un peu dans le caca. On est un peu obligé de continuer. Ouais, la traduc qui est pas qui est des fois pas vraiment parfaite. C'est comme quand il dit shit et qu'il a marqué zut. Oh man, what happened to that emerald we just had? Ouais, c'est censuré. I guess Eggman's got one of them, but the other one's safe. I guess c'est je pense. Bon après à mon avis. C'est pareil. Come on, Sonic, we need to get busy. Nous avons beaucoup à faire. Normalement c'est on est occupé. Busy c'est occupé. Voilà, du coup, vous avez bien vu qu'il y avait cette pierre, voilà. Alors là, le personnage qui vient de passer, j'ai l'impression que c'était Cream de Cream and Cheese. Je suis pas sûr. C'est vrai que souvent il y a une espèce de crime qui passe là, je sais pas. C'est peut-être une référence à un Easter egg, je ne sais pas. Mais bon. On doit aller à Mystic Ruins. Et là on va voir qu'il y a un passage qui va se dévoiler devant nous. Petite musique de Zelda, là. Petite musique de résolution d'anime, là. Pompée de Zelda, quand même. Hop, nickel.
à Ice Cap. C'est un niveau assez spécial parce que, encore une fois, il y a encore une nouveauté. Et puis, il n'y a que des nouveautés dans ce jeu. C'est incroyable. Alors, on peut passer par là, mais il y a un passage un peu plus rapide par derrière. Qui est là-bas. Juste un petit saut. Hop. Nickel. Un petit rally. Ça sert pas à grand chose. Hop. Voilà, encore une nouveauté au niveau du gameplay. Hein. Il y a quand même souvent des nouveautés dans le jeu. Voilà, l'époque où Sega faisait vraiment des bons jeux. Maintenant on a Sonic Forces. Oh là 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 là, c'est compliqué. Alias Sonic Force en français. Enfin après, est-ce que ça veut dire la même chose finalement? Forces, ça y est. Ça veut dire quoi en anglais? Vraiment. Parce que moi en anglais, sinon on aura dit Sonic Strong. Et là, je n'ai pas le chat Solus pour le savoir. Ah, nickel. Et du coup, je crois que je me suis coupé tout à l'heure. Bah là, j'ai fait un petit glitch. Là. Petit glitch tranquille. Alors, c'est pas ici. Peut-être plus loin. Si je descends. Le glitch est assez spécial à faire. Ah, et c'est là. J'ai trouvé le truc. C'est ici. C'est un glitch qui permet de couper la phase avec... hop, la phase... en skateboard. Donc on gagne un temps incroyable. Et c'est surtout, bah, après c'est un peu de la triche parce que regardez, le temps est figé. Du coup on peut facilement avancer, faire un temps record. Surtout pour la deuxième étape du stage. Parce qu'en fait il y a trois étapes dans chaque stage. Ah voilà, c'est là qu'il faut aller. Ah, j'ai peut-être pas, ouais, je suis pas allé vraiment au bon endroit parce que du coup là on est au début, ouais, on n'est pas vraiment à la fin. Oh, c'est pas grave. Est-ce que ça passe en allant comme ça? Non. Nope, nope. C'est pas grave. Mais globalement on gagne quand même du temps hein, parce qu'on va plus vite qu'en skate. Hein. Comme ça, hop, on fait des petits coups. Des petits coups de spin dash, c'est la technique pour aller plus vite. Des fois le level design est un peu spécial. Donc faut faire plusieurs fois des spin dash parce qu'on peut être stoppé par les pentes. Et là c'est nickel. Bon, il est pas hyper bien passé le glitch. Si je suis voilà, je suis atterri un peu, j'ai atterri un peu loin. Mais bon, globalement, ça va. C'est correct. Voilà, du coup là faut aller. Alors là il y a peut-être. Ah et voilà, faut voir Knuckles il me semble. Ah c'est ça. On va avoir une cutscene. Ah bah, je connais par cœur. Je l'ai refait il y a pas longtemps. Et refait à l'époque. Bon j'avoue par contre le fait de faire les glitches et les cuts. Ça, bon, ça, je le fais depuis 2014-2015, hein. Depuis la chaîne YouTube. Quand j'étais enfant, j'avais pas idée de faire ça, forcément. Hop. Bon, là, on est contre un boss, enfin, si on peut appeler ça un boss. Parce que, bon, voilà, il est mort. C'était palpitant. Peut-être les seules phases d'action un peu loupées, enfin même complètement loupées. Parce que globalement les boss sont plutôt sympas à combattre quand même. Mais juste après il va y avoir un boss. Petit spoil. Ah. Tiens, je prends ça pour mon bébé, alors qu'ils mettent c'est trop facile. It's too easy. Ouais.
Ah, il se fait souvent duper, Knuckles. Now I have four lovely emeralds. Chaos. Chaos control. These are for you, non, ça n'existait pas encore ça. Il a pris l'apparence d'une sorte de requin, une poisson, enfin, on ne sait pas, pour pouvoir nager. C'est où ? Une bosse aquatique. Il y avait quand même pas mal de boss, hein, j'y pense, hein, dans le jeu. Ah, je me suis planté. Il y a une technique pour aller plus vite. Faut se mettre en mode spin dash. Et il me semble que ça le touche deux fois. Quoique non, je confonds peut-être avec un autre boss. Ah non, c'est le chaos d'après. Le chaos avec 6 émeraudes peut-être. Peut-être, ouais. Ah, lui, c'est sûr, mais lui... Non, lui, ça marche pas. On est obligé de faire la méthode classique. Ce boss est un peu plus long. Hein. C'est... que ça devient un peu plus dur. Attention. Enfin, plus dur. Par contre, faut faire attention. Parce que, hop, quand on est sur l'eau, comme ça, voilà, et bien, en fait, Sonic... comment dire, s'enfonce dans l'eau. Comme dans du sable mouvant, un petit peu. C'est un peu bizarre. Et du coup, après, bah, il peut plus... je sais pas, peut-être qu'ils ont pas réussi à faire une animation pour la nage. C'est un peu bizarre, mais bon. Du coup, c'est pour ça qu'il faut souvent quand même revenir sur les nénuphars, parce que sinon, Sonic risque de se noyer. Bah, de toute façon, il sait pas nager, donc oui, c'est un peu logique. Merde. Fiche-toi. Ah, la caméra, la caméra. Ah, j'ai pas dit aussi, mais... la version Dreamcast est certes quasiment identique à 3-4 textures près. Ils ont changé. Et avec les modèles, ah, le modèle de Sonic est plus détaillé sur Adventure DX. Sinon, le jeu aussi tournait en 30 FPS sur Dreamcast. Alors que là, nous sommes évidemment en 60 FPS. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le 60 FPS, il me semble. Attendez. Ah non, c'est bon, j'ai bien mis 60 FPS sur action. Alors c'est juste pendant les cutscenes, on est en 30, c'est pour ça. Behold my floating masterpiece, the egg carrier. L'egg carrier. It pales in comparison to the power of chaos. Adieu. Voilà, ça va être la phase avec le X-Tornado de Tails. Charbon de tout, tu sais rien. Salut. A plus dans le bus. Et maintenant on peut jouer avec Knuckles. Ça c'est beau. Du coup. Mais bon, on va faire comme ça, on va faire toute l'histoire de chaque personnage d'un coup. C'est un peu mieux. Voilà, donc là. A few seconds. Wait. Mon niveau d'anglais, c'est niveau Hooper. Hein. C'est... bon, je dirais pas non plus. Je suis trop méchant avec moi. Est-ce
trop méchant avec moi-même. Voilà forcément le thème musical de Tails. C'est quand même un vrai groupe de rock, il y a une chanteuse et tout. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Quand même, tu sens qu'ils ont mis les bouchées doubles dans ce jeu, niveau budget. C'est assez incroyable. Alors que Sonic Force, tu sens qu'ils ont rien mis comme budget. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs. Ah, mais c'est là que je... En refaisant ce Sonic Adventure DX, c'est là que je me dis, purée, non, mais vraiment, le... Le dernier Sonic Force, il était vraiment, mais il était vraiment nul en fait. Je m'en rends encore plus compte. C'est pas la nostalgie, c'est vraiment, il est moins bon. C'est quand même vraiment dommage. Surtout qu'il y avait du potentiel, parce que je trouve que le niveau, par exemple, qui se passe, enfin le niveau post-apocalyptique un peu dans la ville, c'était vachement bien réussi, je trouve, graphiquement. Mais le level design qui tient pas du tout, et l'histoire, n'en parlons pas. Bon après, l'histoire c'est toujours secondaire un peu quand même dans les Sonic. Bon, pas autant que Mario. Mario, l'histoire, bon, on s'en fout complètement. Dans Sonic, c'est un minimum intéressant. C'est vrai quand même, on avait des cutscenes, des cinématiques là, en images de synthèse par moment. C'est bien foutu, il y avait du doublage. Donc c'était quand même. Bon, c'était, la petite histoire était sympa à suivre. C'était pas niais d'ailleurs à cette époque-là. Parce que maintenant, Sonic, je sais pas pourquoi, c'est plus pour les enfants. Alors qu'avant, ils disaient merde. Shit. Bon, traduit en zut, hein. Quand même. Hop. C'était pas mal ces phases, mais heureusement que ça dure pas trop longtemps non plus. Hein. C'est un peu répétitif. Mais bon, j'avoue que c'est une petite phase sympa qui est en plus. Petite phase bonus. Mais oui, mais tout à l'heure je me suis coupé quand on était qu'à peut-être 15 minutes de la vidéo à peine, ou 20 minutes, je sais plus. Je me suis coupé, je voulais dire que oui, et bah, à l'avenir. Ok, je crois que j'avais tout dit. À l'avenir, oui, bah j'aurai une meilleure connexion quand même, et voilà, les lives remplaceront complètement les let's play. Par contre, à côté de ça, je ferai toujours des vidéos tests. D'ailleurs, à l'avenir, oui, je ferai beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de contenu. Bon, ça, je voulais vraiment en parler avec vous en direct. Forcément, voilà, c'est, pour moi, c'est pas possible. Ou alors devant un écran noir. Peut-être que ça passerait, ma connexion devant un écran noir. On n'a pas testé. Voilà. Le gitan de l'internet. C'est magnifique. Ah, petit bruitage NES. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce bruitage assez horrible. Pour rendre comique la chute. You're not who I'm looking for. Oh, I wonder if he's okay. Hop. Et du coup, là, on va faire... Il me semble que c'est là qu'on va aller dans le volcan. Enfin, je crois. Attendez. Si on va par là. Ah. Ah bah non, il y a le niveau avec Amy. Cette petite musique là, disco. If you don't, we're just gonna tag along anyway.
La musique est assez sensuelle par moments. Oh non, ils ont coupé le moment sensuel. C'est arrivé juste après en plus là. Quand elle chuchote là, la chanteuse, c'est magnifique. Du coup, tac. Ah, petite animation quand ils se cognent. Ah, ils ont pensé à tout. Il n'y a plus d'animation d'ailleurs dans Sonic Force quand on se cogne. Alors dans Generation. Alors dans Generation, il n'y a plus d'animation aussi. C'est que dans Unleashed en fait. Unleashed, il se cogne, il devient un bout de papier quoi. Je sais pas, il se transforme en 2D et après, hop, il se remet en 3D. C'était assez marrant quand même, l'animation. Bon, expliqué comme ça, vous devez peut-être rien y comprendre. Ah, la petite cinématique. Hardware. Hey, ils disent hardware pour juste ta électronique. Ouais. C'est gratuit pour les couples. On est à fond. Ah, il coupe quelques moments de la musique là. Ah, forcément pour que ça soit plus. Ouais, parce que normalement la musique elle démarre moins vite. Forcément. Là, c'est pour que ça soit plus fun, pour comment dire, pour que les cinématiques ça rende mieux dans les cinématiques. Ah, ouais. Voilà. Bon, là, il y a une petite technique aussi, mais je pense pas la faire parce qu'elle est assez chaude à faire quand même. Faut se mettre là-dessus. Faut essayer de tomber sur le truc. Oh purée, j'ai presque réussi. Et j'ai presque réussi du premier coup. C'est magnifique. Attendez, je vais le refaire. Pour le fun, j'ai 9 vies quand même. Hein. J'ai 9 vies. Sachant que le compteur s'arrête à 9, du coup, j'en ai peut-être plus. Parce que visuellement, il reste à 9. Mais je crois qu'il continue quand même à compter au-dessus. Il y avait un truc comme ça, un délire comme ça. Ah purée, c'est pas passé. Ah non, non, mais celui-là, il est vraiment chaud à faire. Hein. Faut vraiment de l'entraînement. À l'époque, j'y arrivais. Bon, peut-être pas à chaque fois du premier coup. J'y arrivais mieux que ça quand même. Ah, j'avoue, ça fait longtemps, J'y ai rejoué qu'une fois, comme ça pour le fun, avec mes enceintes, là. Purée, il suit bien, lui, là. Allah. Aussi, la technique pour mieux tourner, il faut lâcher le bouton A. C'est pas très logique, hein, parce que, bon, évidemment, une voiture de base tourne mieux quand on accélère. C'est comme ça que ça marche, la physique des véhicules. Mais là, il faut décélérer pour qu'il fasse un drift. Après, si, oui, les drifts, on peut les faire. Généralement, il faut décélérer les drifts. Il faut faire un petit coup de frein. Talon pointé. Attention. Évidemment, les strats, hein, aussi, pour pas avoir de secousses quand on change de vitesse aussi. Hein, évidemment. Les strats de rallye. Futur conducteur de rallye. Attention. Je conduirai une Yaris GRMN. C'est mon objectif. J'ai déjà la Yaris. Bon, il n'y a pas le GRMN derrière. Voilà. Ah purée, ah le fail. Ah quoique, on peut peut-être le faire là. C'est pas grave. Ah voilà, on peut passer comme ça. Ça c'est un gros cut. Hein. Oula. C'est un gros cut que je viens de faire.
ça cut vraiment une grosse partie du niveau. Parce que normalement on est obligé de passer en dessous, il y a un espèce de manège avec des ennemis. Après il y a... Bon, j'avoue, pour quelqu'un qui découvre le jeu, c'est peut-être pas terrible ces let's play. Hein. Je cut tout. Ah mais j'ai envie de me réentraîner parce que j'ai envie de le speedrunner à l'avenir. Ah, speedrun incoming, quand j'aurai une bonne connexion. En attendant la fibre. En 2045. Purée. J'ai tout. J'ai tout le matos, mais j'ai pas la connexion. C'est compliqué. Welcome to Twinkle Park. Oh, shoot! Shoot! I've lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. Hop, c'est à moi de le retrouver avant lui. Ah, ça c'est l'émission, bon ça on s'en fiche un peu. Je crois que c'est un rajout de la version... Ah bah non, c'est juste... on est obligé de le prendre. C'est pas encore l'émission, mais ça ressemble à ça après l'émission. C'est quand on finit le jeu, on a des petites missions. C'est en gros, je sais pas, par exemple, déposer la pierre à droite, ou alors où on a des petits challenges à 2 balles, pour récupérer des ballons. Un peu de plateforme, etc. Bon, ça peut être, c'est sympa, mais... C'est pas fou non plus. Hein. C'est un petit rajout qu'on a dans la version... dans la version GameCube. Il y avait aussi un cut là qu'on pouvait faire, mais bon. Il est trop chaud à faire. Hein. Je m'en souviens plus trop comment le faire, comment l'exécuter exactement. Donc, Ah, je suis encore tombé là. Il y a une technique pour pas tomber, je crois qu'il faut faire un spin dash juste avant. Pour pouvoir gagner du temps et prendre le rail, la route du dessus. Enfin, c'est des sortes de rails hein, quand on y pense. Uncharted n'a qu'à bien se tenir. Sauf que dans Sonic, c'est complètement assumé. Parce que c'est quand même jouissif. Uncharted, c'est des rails déguisés. Ils veulent pas montrer que c'est des rails, mais c'est des rails. Tu avances tout droit à chaque fois, et tu fais pas grand chose. Bon allez, je suis un peu méchant, j'ai quand même bien aimé Uncharted, hein, donc bon. Globalement. C'est pas pour rien quand même que j'ai la trilogie sur PS4 là. Le 4 en plus. Et le 5ème, je sais plus son nom. Il y a un 5ème hein, juste après le 4. Il s'appelle pas Uncharted 5, mais c'est le 5ème. C'est un spin-off. Ah purée, pourquoi il y a un espèce de mur invisible là, j'ai pas trop compris. J'ai pas pu choper la vie. Alors, c'est vrai, des fois on peut avoir des petits problèmes de collision par moment. Enfin, cette phase là aussi elle est culte. Quand il dévale l'immeuble comme ça. C'est complètement repris d'ailleurs dans Sonic Adventure 2 Battle. Enfin, 2 Battle a complètement repris cette idée. Dans le premier niveau. City Escape. Bon, ce passage-là est très rapide. Juste aller... Ah, c'était pas mal à l'époque, hein. Il y avait quand même de la circulation, il y avait du trafic. C'était quand même pas mal. Et comme dans Sonic X, ah, ils se traînent vos véhicules. Je vais plus vite que vous. Ah purée, mais 10 vies. Il y a de la skill là. Ah mais non, finalement ça se bloque pas à 9. Ah, c'est dans un autre Sonic alors. Ah, c'est dans Sonic Rider, c'est ça. Dans Sonic Rider sur DS, ça se bloque à 9. Et peut-être dans d'autres Sonic aussi. Mais Rider, je suis sûr. Quasi sûr. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Normalement, il faut revenir au volcan. Nous devons trouver Amy. Elle doit toujours être en ville. Elle est passée où? Elle doit toujours être en ville. En ville, en ville. Normalement, il y a Big the Cat là. Ah non, pas encore. Elle doit toujours être en ville. Ça se trouve, dans la map, il y a marqué. Hein. Bon, je pense pas. Ah, ça, c'est fermé encore. Faut un peu tourner à droite à gauche. Oula. Amy, oh man, where can she be? Ah, Sonic, help! I'll cut him off at the Mystic Ruins. Ah bah il dit la réponse là. Ah, et c'est direct que ça amène à Mystic Ruin ici. Il est fort. Hein. Hop. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Let me go, you hunk of junk. I mean it. Hey there, bull brain. You better give Amy to me or I'll squash ya. Hop. Bon. Il y a un peu de tension, Sonic, quand même, là. Il aurait pu l'avoir avant, le robot. Après, c'est les mises en scène. Hein. Là, normalement, voilà, on le poursuit. Et donc, pour poursuivre le vaisseau, il faut aller directement, le Egg Carrier, il faut aller directement dans le niveau, pas loin, dans l'endroit de Knuckles. Garde l'émeraude mer. Voilà, l'émeraude mer qui est juste là. On va au loin. On peut y aller, hein, tiens, on va y aller pour le fun. C'était pas mal ça. Ah oui, il y a ça aussi. L'upgrade. Donc ça, ça nous permet de faire un light dash sur les ennemis directement. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Voilà, on peut aller voir l'émeraude mer. Bon, évidemment, il n'y a pas Knuckles. Ça, c'est dommage d'ailleurs. Knuckles qui est l'un de mes personnages favoris d'ailleurs. Ah, j'adore ce personnage, c'est même peut-être mon personnage favori. Enfin, juste dans Sonic X. Et il est énorme. Par contre, dans Sonic Boom, je ne l'aime pas. Ah là là, parce que dans Sonic Boom, ils ont pas compris. Pour eux, Knuckles est stupide, mais non. Il est naïf, c'est pas pareil. Il se fait avoir, mais il est pas stupide. Loin de là. Le problème dans Sonic Boom, c'est que bah, ils m'ont rendu vraiment stupide à la Homer Simpson. Ah. Voilà, poursuivi la carrière avec une musique incroyable. Couper le souffle. Encore une fois. Tac. Un peu de piano, de saxophone. Ah, ils avaient du matos hein, chez ces gars. Hop, petit cut. Ah bah j'avoue que j'ai pas pris la vie. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a de la skill. J'avoue que là ça passe vachement bien. Hein. Ah, normalement je joue toujours comme ça, mais le live, purée. Le live quoi. C'était le gros fail. En plus devant deux potes. Devant Lulu et deux potes. Qui disent toujours n'importe.
Il y en a un qui est pas du tout pour l'anecdote, voilà, il y en a un qui est pas du tout jeu vidéo. Et l'autre pas trop aussi. Un petit peu Fortnite et FIFA. C'est pas The Référence. Ah oui, là il y avait un superbe cut aussi à faire, mais bon, il est trop chaud à faire, je m'en souviens plus trop. Donc bon, on va pas le faire. Et bon, on va pas toujours faire des cuts. Bon, j'avoue que c'est un peu stupide d'aller là, hein. On peut directement sauter. Voilà. Hop. Ah, là aussi avec les araignées, c'était vachement stylé ça. T'as regardé. Hop, une grosse araignée. Une grosse arachnoïde. Ah, elles sont balèzes. Hein. Bon, par contre, elles nous font rien, on peut passer au travers. Et bon, si on est arachnophobe, c'est compliqué. Hop, hop, hop. Et bon, vous me voyez faire le jeu comme ça, tranquille, courir à droite à gauche, mais en vrai, la première fois, on met pas aussi peu de temps à le faire. Parce que bon, là, on doit être à... Parce que là, on a bien avancé, hein, on doit être... je veux dire, à 70% du jeu. Hein. Après celui-là, il doit rester que 3 actes. Il y a l'acte dans l'aide carrière. Après, il y a un deuxième acte dans l'aide carrière aussi. Ah mais non, pas dans l'aide carrière, qui est dans la base secrète de Eggman. Et ça, c'est le dernier acte. Ah oui, j'aurais pu passer par là directement. On aurait pu faire un light dash. Et voilà, il y a plusieurs chemins alternatifs un peu. Voilà. C'est quand même pas mal. Petit fail. Ah. Ah, faut que ça s'arrête. J'ai failli crever. Je sais plus du tout combien de temps je faisais celui-là. 2 minutes 48. 2 minutes 40. Il y a un truc comme ça. Évidemment, là, je suis rouillé. Hein, je suis rouillé. Il va y avoir une deuxième phase avec le tornado, je crois, là. Bon, on va s'arrêter après la phase du tornado. J'aurais bien aimé finir, parce que je pense qu'il doit rester que 30 minutes, à peu près, pour finir le mode histoire de Sonic. La toute première fois que je l'ai fait à l'époque, rigolez pas, je l'avais fait, je crois, 6 heures. Un peu long. Il me semble que c'était 5-6 heures. Ah, c'est incroyable. Ça fait peut-être la durée d'un film finalement, juste. Si on connaît bien le jeu. Qu'on fait le mode histoire de Sonic. Après, il y a le mode histoire des autres. Hein, évidemment. Mais le gros, c'est le mode histoire de Sonic. Hein. Les autres, généralement, c'est plus court. Celui de Tails est assez long. Mais bon, il reste quand même un peu plus court que celui de Sonic. Celui de Sonic, c'est le plus développé, hein. Après, c'est un peu logique. Celui de Knuckles, j'avais souvenir qu'il était très très court. Pareil pour celui d'Amy. Mais il était vachement sympa celui d'Amy, il était assez spécial. Alors, on se faisait toujours poursuivre en fait par le robot. Et c'était pas mal, c'était des phases de poursuite. D'ailleurs, je trouve que la plupart des persos sont réussis, hein. même eux sans deux, les niveaux ils sont sympas à faire. C'est du shoot un peu comme le X-Tornado qu'on a là. Sauf qu'évidemment, en même temps, on a de la plateforme parce qu'il faut quand même bouger le robot. Et il est agile le robot, attention, il arrive à sauter. C'est pas les robots qui sont en train de faire là au Japon actuellement. Qui ont deux de tension, bah, certes ils ont une intelligence artificielle hors du commun, mais bon, c'est pas encore ça niveau agilité. Je sais plus comment s'appellent ces robots blancs là. Ah, so far so good, tellement rapide, tellement bon. Let's do it!
Let's do it. Vas-y, fais-le. Quand j'étais petit, je croyais que c'était toujours allons-y, ça. Et non, c'est let's go, allons-y. Voilà. Hop, nickel. Ah, c'est un peu long la deuxième phase, hein, Wix Tornado. Je pense qu'on est quasiment à la fin là. Parce qu'on a eu l'upgrade du X-Tornado, bah, il forme un X là. Comme une Xbox. Il me l'est. T'as un peu un cacahuète. D'ailleurs, en parlant d'Xbox, la prochaine Xbox, là, Xbox Series X, a quand même un gros point fort que n'a pas la PS5. C'est la rétrocompatibilité. Alors certes, on aura quand même de la rétrocompatibilité sur PS5, mais ça sera que pour des jeux PS4. Alors que la Xbox Series X, c'est pour tous les anciens jeux Xbox, il me semble. De la 360 à la Xbox première du nom. Et la One. Et tout. Tout est compatible, quoi. Là, c'est canardé, lui. Je sais pas quand il va s'ouvrir. Voilà, nickel. On a détruit son réacteur, enfin son espèce de missile. Lance-missile, là. Lance-laser. Pourcentage. Ah, purée, c'est compliqué la traduction des fois. Pourcentage, ouais. Je me souvenais pas que la traduction était un peu foireuse. Oh. Après, à l'époque c'était rare qu'on ait un jeu en français. Même un Sonic. Hein. Ouais, le français c'est vraiment arrivé depuis la... peut-être au tout début sur la Super NES. Même si généralement c'était quand même en anglais sur Super NES. Peut-être ouais, des RPG qui sont en français. Il y avait des RPG. Ah, et là j'ai pas fait gaffe, mais oui, au moins il y a Tails qui dit oh, ce vaisseau est magnifique. Et Sonic s'en fout complètement, parce que forcément, Tails lui il est pas mal de technologie, mais Sonic lui, c'est pas trop son truc. Mais voilà, il y a des petites expressions sur les visages, c'est quand même sympa. C'était bien fait. Ah, et là, il va changer de forme. Hop, de formation. Ah non, c'est là. Let's go. Bon allez, on fait un petit dernier niveau là. Je crois que ça va être Skydeck là. Le Skydeck. Putain, la porte, on dirait la porte de Metroid. Metroid Prime. Avant l'heure. Ah, peut-être que Retro Studio ils se sont basés sur sur la porte là de Sonic Adventure DX hein, pour faire leur jeu. Hein, c'est une possibilité. À ce niveau-là, il comporte. Ah, on peut aller à gauche. Attendez. Hop, je vais revenir. Hop, je vais y tomber. On peut aller directement à gauche. C'est plus sympa, c'est un peu plus, il y a un peu plus de challenge. Hop. Il n'est pas si facile à faire que ça, le Omega Attack. Faut bien viser avec le stick. Faut pas croire, hein. C'est pas le...
c'est pas le spin de l'homing attack actuel. Hein. C'est un peu brouillon là. Sinon, actuellement, l'homing attack, on a direct une cible sur l'ennemi. Hop, faut aller à droite, hop, c'est un peu plus rapide. Là, faut choper l'anneau. L'anneau, le crochet. Ouais, parce que l'anneau, il y en a un peu partout. Hop. Boum. Petite invincibilité. Puis la musique, elle est excellente aussi, là. Je le dis pas, mais... La plupart des thèmes sont composés par Crush 40. Et c'est beau. D'ailleurs, il y a le chanteur de Hardline dans Crush 40. Je ne sais plus son nom. Johnny quelque chose, là. Un Amerlock. Ça, c'était pas mal aussi, parce que Crush 40, en fait, c'était un mix entre américain et japonais. C'est forcément... Le guitariste, c'est un japonais. Et le chanteur, bah, c'est un américain. Pourquoi je sais pas s'il y avait plusieurs guitaristes, mais je crois que c'est que des japonais s'il y en a plusieurs. Et Hardline, voilà, c'est le groupe qu'a fondé du coup le chanteur de Crush 40. Je crois que ce groupe-là a été fondé avant Crush 40. Enfin, juste avant, vraiment, parce que... Dans les années 90. C'est pas trop vieux non plus. Hein. C'était un peu la fin du hard rock, hein, à cette époque. Hélas. Oh, attendez, ça passe, ça passe, ça passe. Moi je suis très hard rock, je l'ai peut-être déjà dit, et je ne suis pas du tout rap. Affiche-toi. Ah oui, bah c'est magnifique. Pourquoi il m'a tiré un missile? Oh là là, il faut recommencer ici. Il peut y avoir des fails. Bon, comme ça on va aller à droite pour voir la différence. C'est à peu près la même chose, hein. Sauf que je risque de tomber là. Alors là, je vais vous expliquer, j'ai eu énormément de chance parce que les ailes commençaient à se déployer, je commençais à, hop, à prendre de l'altitude et à tomber. Mais grâce au homing attack qui me remettait à chaque fois sur le droit chemin, grâce aux ennemis qui étaient juste en dessous de moi, bah, je suis pas tombé, tout simplement. Oh là là là, faut faire gaffe. C'est incroyable que j'ai autant de mal à ce passage là, parce qu'avant, avant je le faisais, mais facilement. Hop, nickel. Voilà, dernière phase du niveau. Là aussi c'est hyper bien foutu, là c'est encore une nouvelle idée. Hein. Là on va voir carrément le vaisseau qui va tourner. C'est hyper bien, c'était vraiment impressionnant à l'époque. C'était le genre de niveau qui me fascinait, moi, à l'époque. Hop. Monter. Là, la technique, faut faire ça. Et je me suis viandé. Bon, c'est pas grave. Perte de temps, mais c'est pas grave. Mais ouais, ce passage-là est assez chaud. Bon, là, Sonic, voilà, on voit que le blanc de ses yeux. Ah, c'est un petit bug dans la version GameCube. Je ne sais pas s'il y est aussi sur ce bug sur Dreamcast. Oh, il veut pas revenir. Ah, et le problème, c'est que quand on se prend des détritus, il n'avance plus après. Ah, là, vous voyez. Il n'avance plus quand il se prend des détritus. Par contre, il ne tombe pas, donc c'est un peu bizarre quand même, quand on y pense. Hop. Ah d'accord, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai sauté d'un coup? Ah bah y'a une one-up les gars! Mais tout est maîtrisé évidemment.
Il avait une one-up, mais du coup, on redescend, on recommence. Il faut qu'il aille de l'autre côté. Ouais, d'accord. Oh là là. Ça se passe pas du tout bien, là, par contre. Après, on allarge le temps, quand même. Je pense qu'on peut quand même... Dans celui-là, on peut dépasser les 9 minutes. Enfin, les 10 minutes. On peut dépasser les 10 minutes. Après, bon. Je veux pas que ça dure 10 minutes. C'est pas trop l'objectif. Allez, allez, 200. Ouais, c'est bon. On peut appuyer quand on saute, on peut appuyer sur B directement pour qu'il descende plus rapidement. Où ça chute. En faisant ça, hop B. C'est une petite technique, après on n'utilise pas beaucoup. Ah, ça c'est un problème aussi. Ah là 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 là. Problème de collision, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Il s'est débloqué. Voilà. Problème de collision. Après, je suppose que ça, c'est difficile quand même de bien gérer la physique. Surtout d'un personnage rapide, parce que on rappelle quand même que Mario 64, dans Mario, bah voilà, le personnage est très très lent, du coup c'est beaucoup plus simple de faire une bonne physique hein, que quand le jeu est très rapide. Surtout qu'il y a des dénivelés et tout, il n'y en a pas dans Mario 64, il n'y a pas vraiment de dénivelé. Oula, je crois qu'il y a Tails qui allait se casser la gueule. Le petit bruit. Is that it? It might be, but let's check out the bridge. Let's check out the bridge. On va voir le pont. Ah, et voilà. Il y a aussi un endroit où on peut écrire. Du coup, il y a une petite énigme où il faut écrire Eggman. Et comme ça, on peut avoir le droit à une petite salle pour les KO. Ah, parce que le mode des KO existait déjà dans ce premier Sonic Adventure. Et avec la Game Boy Advance, on pouvait connecter Sonic Advance. Il me semble que c'est dans ce Sonic Adventure qu'on pouvait faire ça. Peut-être dans deux battles, je ne sais plus. On peut avoir la possibilité de coup d'envoyer ces KO, il me semble, sur la GameCube. Ces KO de la Game Boy Advance. Un petit côté Pokémon. Alors j'avoue que je parle pas, même pendant les cutscenes. Après... Vous avez les sous-titres? Allez, c'est parti. Voilà. Ah, c'est compliqué. Oh, donc là on est contre eux. Bah, il est déjà mort. Bah, ces boss là sont très rapides. Hein. Il se passe pas grand chose. Alors qu'il y a un combat épique dans l'animé. Voilà, il est pas vraiment épique le combat. Ah, ça c'est la cutscene qu'on voit dans... Quand on reste dans l'écran titre. Ça c'est pas mal aussi, un robot qui a un bon fou. Une bonne idée. Enfin, qui a une intelligence artificielle, qui a une conscience. Évidemment, on fantasme tous là-dessus. Hein. L'IA qui a une conscience. Eggman and put him out of commission.
Ah, on peut jouer avec eux sans deux, c'est magnifique. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. Okay. There must be a switch somewhere on the bridge. Voilà, switch. I gotta find it now. Il doit y avoir une Nintendo Switch dans le barrage. Allez, un interrupteur. Voilà. Ah voilà. Go. Hop, nickel, et puis là faut aller là-dessus. Hop, nous avons ceci. Et on le remet dans son état initial. Et là on va avoir un boss. Bon, après le boss, j'arrête. J'avoue que là ça va faire 1h30 de vidéo. C'est quand même assez balèze, et du coup, bah, dans la prochaine partie, on finira la partie avec Sonic, et on commencera avec Tails. Ah, voilà, c'est là-bas, on les voit. On voit Big the Cat et Dr. Eggman. Je sais pas si sur Dreamcast, on pouvait voir aussi loin, par contre. Parce qu'on a de moins... Mince. Ah oh, bah, c'est pas grave. Parce qu'on a de... on a quand même chopé le trigger. Parce qu'on a une moins bonne distance d'affichage sur Dreamcast. Bon, ça reste quand même pas mal pour l'époque. Puis après on a eu Adventure 2. Et là, Adventure 2, entre la version Dreamcast et Gamecube, il n'y en a quasiment pas. Hein. Now I have six of the Chaos Emeralds. There's only one more left to find. I even found Chaos's missing tail. You won't get away with this, you madman. I will. You're no match for Chaos, even though he's not perfected yet. Il pas encore parfait. Okay, Chaos. Destroy them all immediately. Let's go. Hop, là c'est très simple. Alors la première fois évidemment on le sait pas direct, mais faut qu'il avale ces petits bidules. Hop, qu'on fasse hop, la superbe attaque, comme ça il perd la moitié de sa vie d'un coup. C'est normalement, on doit le toucher 4 fois, et là je vais pouvoir le toucher seulement 2 fois, en faisant le spin, hop, en faisant le light dash. Trente secondes à peine. Il a pas peur du vide, Sonic. I hate Eggman. Where's this? Personnages qui ressemblent à Knuckles, c'est ça, c'est les Échidnés. Mmh. Faudrait que je recherche ce que c'est Échidnés exactement, parce que je pense pas que ça existe. Sonic et Amy, ce sont des hérissons. Tails, un renard. Knuckles, un Échidné. Qu'est-ce que c'est que ça? Big, un chat. Oui, bon, un chat qui ressemble à au chat de mon voisin Totoro. Le chat de Miyazaki.
What? Miyazaki a travaillé dans ce projet, Sonic Project. Sonic Adventure Project. Ah, il faut savoir aussi, pour la petite anecdote du développement du jeu, qu'ils ont vraiment visité un site ressemblant vraiment à ça, voilà. Ils ont vraiment voyagé, les développeurs, pour pouvoir faire ce genre de sculpture. C'est plutôt pas mal. On s'en rend pas compte comme ça, parce que nous on fait le jeu comme ça, tranquille. Mais voilà, quand on prend avec du recul et tout, on se dit, mais comment ils ont eu toute cette... imagination qui déborde. Voilà, ils se sont inspirés de choses réelles. Donc voilà, sur ces magnifiques paroles, ces belles paroles, et ce JPEG au loin, qui est digne du JPEG de Final Fantasy VII, dans le chapitre 16, le fameux chapitre. Il est magnifique ce chapitre. Voilà, bon, j'exagère, il est quand même un peu mieux fait le JPEG dans Final Fantasy, mais bon. Ah, ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même. Surtout que là c'est caché, là encore c'est caché. Parce qu'on a, on a de la 3D autour. Bon, il y a quand même des décors. Dans Final Fantasy, on a ça, mais en pleine poire. Alors, Square Enix, je sais pas, mais Square Enix, des fois, on ne sait pas avec eux. Des fois, ils mettent le boucher double, ils font un truc de fou furieux. Et d'autres fois, c'est une catastrophe. Pourtant, j'étais bien parti, je me disais. Le jeu est plus beau qu'Uncharted 4. Rien que ça, pourtant Uncharted 4 c'était plus impressionnant. Avec God of War aussi, mais un peu moins God of War. Il était impressionnant aussi, mais un peu moins fou que le 4, Uncharted 4. Et Final Fantasy 7, c'est celui qui m'a le plus bluffé, techniquement. Mais bah, surtout qu'on n'a pas, cet effet de flou qu'on a dans Uncharted 4 et God of War. Ils n'ont pas mis de trucs artificiels, machin. C'est vraiment le jeu à l'état brut, pouf, on a du full HD, propre. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas un effet de flou quand on tourne la caméra ou d'aliasing, d'anti-aliasing de la mort, qui floute à bas la résolution. On le ressent surtout quand on a une grande télé, 55 pouces comme la mienne. Enfin voilà. Pour moi, pour l'instant, Final Fantasy VII est quand même le plus beau jeu de la PS4. Mais même si à côté de ça il a des textures en moyenne, hein, mais c'est. Quelquefois il y a des textures horribles. Et ça frôle le chaud et le froid, c'est un peu bizarre. C'est pas constant en fait, hein, la qualité, c'est bizarre. Ouais, bref, voilà. So, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, je pense que c'est à peu près tout, de toute façon. Hein, je pense qu'à l'avenir, là, dans les prochains, dans les prochaines parties du Let's Play Sonic Adventure DX, je parlerai un peu plus en profondeur de mes projets sur ma chaîne secondaire et la chaîne là, actuelle, Oliver Flav, qui continuera toujours celle-là. Et la chaîne secondaire, bah, elle va revivre de ses cendres, elle va ressortir de ses cendres. Attention. Elle va être désenterrée, attention. Il va y avoir du contenu. Alors qu'on n'a pas eu depuis quasiment un an. Mais bon, après, c'est pas une chaîne qui va durer, durer, durer. Mais pour l'instant, j'ai pas mal de projets là-dessus. Voilà. Mais qui ne sont pas du tout... voilà, c'est pas... Comment dire, ça fait un peu partie des jeux vidéo, hein, c'est les sagas MP3. Donc il y a pas mal de références dans les jeux vidéo, machin, mais c'est pas une chaîne classique, ça sera pas des let's play, des vidéos tests, machin. Vous voyez le truc. Voilà, mais bon. Du coup, sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures, et attention, dans le prochain épisode, on va rentrer dans la gueule du serpent. Du serpent venimeux. Alors voyons.